Hey, yo à toutes et à tous, c'est Ekar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est pour une vidéo que vous m'avez extrêmement demandé. Extrêmement, extrêmement, extrêmement. Voilà, je tourbillole avec mon personnage, c'est très beau. Et sur ce, donc, quelle est cette vidéo? Donc, vous l'avez vu dans le titre, c'est mon casier 2019. Donc, on est maintenant au mois de juin, on est quasiment en semi-saison 6. Et j'ai quelques skins qui est vraiment très très bon, très très rare, qui coûte extrêmement cher, on va pas se le mentir, mais c'est grâce un petit peu au CD Nova. CD Nova, c'est un grade qui est attribué uniquement aux personnes ayant tant youtubeurs, j'ai envie de dire, et youtubeurs de plus de 2000 abonnés généralement. Bref, c'est un grade qui vous génère des diamants tous les mois et qui vous permet du coup de faire des case openings assez aisément. Moi, ça m'a permis d'obtenir quasiment la plupart des skins que j'avais. Donc, je remercie Creative qui a bien voulu me donner ce grade-là. C'est très sympa. Et sur ce, je pense qu'on va pouvoir commencer directement avec tous les skins que j'ai dans mon inventaire. Allez, let's go. Donc, on peut voir dans le dépôt donc les trois skins Brise-Aube que j'ai et que j'obtiens directement. Donc là, vous pouvez voir déjà avec le skin de mon personnage, on voit que ça appartient au skin Storm Fury. Donc le Storm Fury qui est à 15 diamants la boîte et que j'ai obtenu assez facilement. Il me semble qu'on l'a eu en live et je l'ai eu en deux boîtes maximum. Il me semble que c'était très rapide, c'était succinct. Je l'ai eu d'un gros coup de bol. Attention, faites gaffe parce que c'est un skin qui généralement est très rare à obtenir. Moi, par grosse chance, je l'ai eu aisément. Mais voilà. La déesse à sa menthe, je crois que je l'ai eu en 40 packs. Bon, ça va, c'était assez simple, assez aise. On a le petit costume. Donc, bien sûr, j'ai débloqué les ailes qui allaient avec. Hein, donc là, on peut voir aussi, j'avais débloqué les épées. Hein, on l'avait vu dans l'écran d'accueil. Et nous avons du coup le dernier qui est par contre lui très 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 dur parce que c'est l'Hercule Insectoguerre Écarlate. Donc on peut voir que c'est un skin Brise-Aube qui coûte très très cher parce que il est au prix de 100 diamants la boîte et il y a la possibilité de l'avoir une seule fois sur 74 packs il me semble. Sachant que c'est 100 diamants le pack donc ça fait 7400 diamants. Ça fait énormément cher, ça veut dire quasiment 100 euros si tu veux l'avoir à 100%. Moi, dans mon malheur, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai dépensé 50 euros pour avoir ce skin. Ce qui est énormément cher, mais bon, voilà. Par exemple, tu vois, ce skin-là, j'ai payé 50 euros et je l'ai eu. Mais bon, par exemple, on a ce skin-là, donc qui est dans bois d'apparition, tac. On peut voir que la progéniture glacée, je ne l'ai pas obtenue, alors que pourtant j'ai obtenu quasiment la plupart des packs. Sachez que dans ce pack-là, j'ai usé quasiment 85 euros. 85 euros pour une progéniture glacée que je n'aurai jamais. Donc ce pack-là, je vous le déconseille vraiment, il a un taux de win rate mais extrêmement bas. Mais extrêmement bas, c'est hallucinant. D'ailleurs, s'il y a des gens, dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont eu la progéniture glacée en un seul pack? S'il y a des gens qui ont eu ça en un pack, qu'ils se manifestent aujourd'hui ou qu'ils se taisent à jamais. Parce que vraiment, je vous jure, il y en a qui ont eu ça en un pack et j'ai envie de vous baiser, mais littéralement de venir chez vous et de vous empaler un pieu dans le cœur parce que. Ça me fait mal d'avoir dépensé 85 euros pour ne même pas avoir le skin qui est associé au pack. Qui n'est même pas là. Je n'ai même pas eu ce putain de skin, donc fait chier. Donc voilà. Bref. On continue. Dépôt. Donc on a les trois skins Brise-Aube. Alors bien entendu, les missions quotidiennes, j'ai tout réussi, sauf l'aile d'acier. Franchement, c'est déployé à chaque fois. Faut ouvrir des largages de l'aurore. Ça, c'est la quête. Déjà que le costume il est chiant à obtenir, mais as fuck, et bien la chaîne, la quête elle est encore plus chiante que ça. Donc vraiment, ça c'est un skin que je déconseille aussi. Sauf si vous avez vraiment les moyens, hein. Il est quand même beau, hein, beau mais cher. Tu vois, c'est beau mais cher. Après en costume, bon, j'ai pas grand chose. On peut voir, hein, je vais pas vous montrer successivement tous les packs que j'ai non plus, parce que ça va prendre 4 heures.
D'ailleurs, attendez, je vais... Ah, je voulais même mettre ma tête, je voulais la mettre de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Mais en fait, vous allez juste regarder en haut, bref. Du coup, voilà, je vais pas cliquer sur tous les packs. Si vous voulez une vidéo où je clique vraiment sur tous les costumes, dites-le moi en commentaire, faites-le moi savoir. Mais bon, c'est long. Ce skin-là, c'était un skin saison 4. Je l'ai obtenu via le pack, ça c'est pas mal. Enfin, via la carte combat, le pass de combat, ouais. Ça super bien, passe de saison 6, tout ça là, les petits skins violets, bon, tout ça là, c'est des skins que tu obtiens assez aisément, hein, on va le dire. Les skins filles, je vais vous les montrer aussi. Je vais switcher sur la nana et on va vous montrer les skins. Alors, habillement, alors bon, par contre, habillement, ça c'est tous les trucs à chaque fois quand tu recharges, tu sais, au menu d'accueil là, que tu recharges 5 balles pour avoir des diamants et que tu obtiens des skins gratos. Et bah, ça, généralement, voilà, j'en ai tout le temps plein là, t'as Terre Lago, j'en ai trop. Donc, on peut voir, on a déjà ça, on a du coup le combattant futuriste, du coup, avec les trois, tac tac tac. On a aussi le fou, le magicien, hein, donc avec l'association des trois, encore une fois. On a le fantôme, par contre, le fantôme, je sais pas pourquoi, à chaque fois, ça me met, oula, ça me met les trucs en différé. Où est-ce qu'il est? Là, tac, voilà, le fantôme. Très beau le fantôme, très beau, j'adore. Franchement, c'est un skin. Ah, c'est un skin, tu vois. Il va bien, tu vois. Il colle bien, il est joli. Mais j'ai l'impression de le voir tout le temps, de tellement le voir en fait ce skin que maintenant il est devenu un peu skin Bambi, tu vois. C'est. Ah, il me reboot. Il me reboot ce skin, tu vois. Ah, voilà. Bon, par contre, c'est pas pire que celui-là. On va pas se le mentir, le cochon, vraiment dégueulasse, dégueulasse, il pue la bite, regardez cette tête, regardez cette tête, regardez cette crête, il est dégueulasse, il est là, oui, non, 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 je ne suis pas dégueulasse, non, 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 oui, si, t'es dégueulasse, si, t'es dégueulasse, t'es horrible, t'es mort, voilà. Bon, par contre, il est pas pire que le skin Cdenova, parce que là, c'est le skin Cdenova, hein, vraiment, quelle est cette coupe, quelle est cette coupe de cheveux? Qui a permis de faire la coupe à la poêle de carottes, s'il vous plaît. D'ailleurs, monteur, image de poêle de carottes et tu mets à côté, s'il te plaît. C'est pareil. Oh my god. C'est horrible. Bon, après, t'as plusieurs petits skins. Hein, voilà, j'essaie de vous le montrer un peu parce que c'est des tenues associées. Mais on va pas passer 4 heures non plus avec la tête de Shiba, avec le petit husky. La tête de Shiba, elle est mortelle. Oh, tête de Shiba, là, oh, c'est mortel, ça. C'est mortel. C'est what the fuck, mais c'est mortel. Et voilà, c'est bon. Je crois que c'est bon. On a tout fait le tour. On a tous les petits accessoires. Du coup, on a le petit sac à dos. Bon, on va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre. On a déjà les cornes. Du coup, les cornes que j'ai. On a le petit écouteur. What the fuck, ça veut pas mettre écouteur? Retrait rapide. Voilà, retrait rapide. Normalement, je serai tout nu. Et quand je serai tout nu, voilà, ça marchera nickel, parfait. Alors, du coup, la tête, on a le petit casque, on a le petit, la petite corne. La corne, quand même, la plume royale, là, on ne dirait pas, mais ça coûte quand même 150 diamants, hein, cette merde. Ça coûte quand même 100 putains de diamants. C'est énorme. Donc là, la petite tête, par contre, ça, je crois que c'est un skin saison 6. C'est un skin saison 6, il me semble, ou saison 5, peut-être, je sais plus, je sais plus. En lunettes, bon, par contre, je suis dégoûté parce qu'en lunettes, il n'y a aucune lunette violette. Aucune lunette violette, il y a juste ça là, mais en féminin. Mais sinon, les lunettes violettes, ça n'existe pas. Des lunettes brisobes non plus. Pourquoi des lunettes brisobes, il n'y en a pas? Tu vois, des lunettes, j'aimerais. C'est bien, ça peut. Ici. Ah merde, putain, mais du coup, j'ai la tête. Bon, on va mettre ça là, tac. Alors, la tête un peu cadavérique qui va du coup avec le costume Joker de tout à l'heure. La petite pipe, hein, bonjour, je suis un gentleman. Bref. Les cornes de dragon, pareil, coûte très très cher. Ça, donc le petit masque saison 6, etc. Je vous montre que vraiment les skins que j'ai en violet, hein, voilà, hein, je vais pas plus loin. Hein. Donc les ailes de fée, pareil, 150 diams, 150 diams, c'est quasiment abusé. Et généralement, faut vous dire qu'un skin violet coûte à peu près entre 100, 150 diams. Voire plus si c'est un pack, par exemple les ailes de dragon, là j'ai eu en peut-être 20 euros.
J'ai dû dépenser 20 balles, ouais, pour avoir les ailes de dragon. Vraiment très très cher aussi, ces ailes-là. Mais vachement stylé, on va pas se le mentir. Les ailes de menthe, ça, c'est les ailes que j'ai obtenues avec le skin menthe. Vous savez, là, le skin Brizo-Aube que j'avais avant. Et voilà. J'ai pas plus, à part la YouTube monnaie, bien entendu. Oh. Les bas de dos, on a le petit accessoire queue de lapin. Queue de lapin, bien sûr. C'est noté parce que c'est une grosse queue de lapin, tu vois. Et du coup, les outils manuels, bon, bah, j'ai pas grand-chose. Des assembleurs. Voilà, je vais juste vous montrer vite fait. Par contre, la blade. Très, très, très belle, hein, la blade. Hein. Oh, on dirait une arme de. FF14. FF14. Très, très bien. Tac. Ah, le prisme qui a voulu un petit peu charger. Tac, voilà, je vous remonte un peu le prisme. Tac, et voilà, c'est bon. Et là, ça, du coup, ça, c'est les doubles lames ouragan avec le skin Storm Fury. Voilà. Alors, les armes à feu. Donc là, on va passer tous les skins de merde. Hein, voilà, skin violet, tout ça. Je pense qu'on va pas trop s'attarder dessus, d'accord? On va pas trop s'attarder. Alerte au On va fils de aller pute de niveau directement. 4. Voilà, donc ça, c'est bien entendu, c'est gratuit pour la vidéo. Je sais que mon monteur et que les viewers adorent ça. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est totalement faux, totalement faux, totalement faux. Du coup, on va s'attarder directement sur les skins légendaires que j'ai en armes à feu. Donc, nous avons la petite pompe améthyste. Donc, le pompe améthyste que j'ai obtenu en deux. J'ai fait une vidéo pour montrer ça. Et je l'avais pas eu sur la première vidéo. Et je l'ai eu sur un pack random que j'ai eu comme ça. Et ça m'avait fait très, très, très rager de l'avoir celle-là. Parce que c'est ultra dur d'avoir ce pompe améthyste. C'est vraiment abusé. Alors, par contre, contrairement à son homonyme, donc le destructeur bonbon. Le destructeur bonbon que j'ai vu très facilement. Vraiment, regardez, c'est ici. Je l'ai obtenu il y a même pas longtemps. Je l'ai obtenu ici, dans la roulette. J'ai fait deux tirages. En deux tirages, je l'ai eu. J'ai eu un truc vert de mes couilles. Deuxième. Bah, j'ai fait aise. Écoute, écoute, si tu veux m'offrir tant de gentillesse et tant de joie, moi, je prends, Bibi, je prends, tu vois, je prends. Il n'y a pas de problème. Vas-y, fais-toi plaisir. Après en mitraillette, du coup, bon, l'UMP9 avec l'œil de Sauron, un petit peu vraiment stylé, hein, avec l'espèce de gueule de dragon. Vraiment, je trouve que c'est l'arme préférée. C'est mon arme préférée. Dites-moi dans les commentaires aussi. Il y a plein de choses que je vous demande en commentaire, c'est hallucinant. Les pavés vont faire comme ça. Hop, 40 commentaires, tu vois. Bref, dites-moi quelle est votre arme préférée en termes de skin légendaire. Moi, franchement, celle-là, elle est mortelle. Elle est mortelle. C'est trop belle. Trop, trop belle. J'ai la Scar Lapis Lazuli aussi. La petite Scar Lapis Lazuli. Donc, bon, classique. Classique, hein, j'ai envie de dire. L'XM8, le renard d'argent. Voilà, le petit renard d'argent. Que j'ai eu grâce à Miss. Parce que c'est Miss qui m'a conseillé d'avoir cette boîte-là. J'ai ouvert deux boîtes. Je l'ai obtenu. Et je vais, ok, aise. Le corbeau que j'ai obtenu il n'y a pas longtemps dans une autre vidéo. Et le corbeau, pareil, ça c'est hallucinant. J'ai cru que j'allais pas l'avoir. J'ai dépensé quasiment 10 balles pour l'avoir. Et je l'ai eu au dernier pack. Je fais, ah de Dieu. Oh là là, je l'ai eu au dernier. Je l'ai eu au poil de cul de tétine, mes enfants. Au poil de cul de tétine près. Sinon, je l'avais pas. C'était terminé, fini, caput. Le fusil surpuissant, j'ai pas de skin, mais j'aimerais tellement l'avoir parce que je sais qu'il y a un skin qui existe et qui est pas cher en plus. Donc le fusil surpuissant, je pense que ce sera la prochaine arme que je vais viser. Voilà, donc après l'AWAP. Donc là, vous le savez, je suis très très fan d'AWAP, je suis professionnel AWAP. Je ne pouvais pas ne pas obtenir de skin légendaire sur une AWAP, c'était impossible. D'ailleurs, le tueur de dragon, j'espère que je vais l'avoir un jour, le tueur de dragon. Et celle-là, super belle, la Gorgogne. Ah là là, la Gorgogne, super belle avec les deux serpents, les deux vipères, je dirais. Ouais, des vipères. Ouais, Gorgogne, c'est pas des vipères. Ouais, je sais plus. Je dirais des vipères. Je dirais des vipères. Parce que ce qu'elle sur la tête de Médusa, il me semble que c'est des vipères. Hein. Peut-être que j'ai des grosses conneries à voir aussi, peut-être sur Wikipédia. Alors du coup, j'avais aussi le petit frappeur d'énergie,
Malheureusement, en VSS, j'ai pas eu le skin Lege du palier saison 5. J'aurais aimé. Malheureusement, j'étais pas à level 100 et j'ai raté du coup l'occasion de l'avoir, malheureusement. Ça aussi, je l'ai eu parce que c'était dans le truc Hades Mante. J'ai pu avoir le venin et j'ai eu le pack Hades juste après. Dans le pack d'après, tu vois, j'ai eu les deux quasiment simultanément. C'était très très bien. Disons un bon teammate, là. Et voilà, il me semble que j'en ai pas d'autres. Il me semble que j'ai pas d'autres skins. Bon, bien sûr, voilà, j'ai des skins comme ça, TMTC, mais c'est pas des skins très très importants, ni forcément très utiles. J'ai pareil en vol, du coup j'ai les ailes de menthe qui me permettent de voler en parapente, comme ça fait bip 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 bip, bip, c'est trop bien. Nous avons ça, c'est super beau, c'est juste super beau. Franchement, moi je kiffe, je surkiffe ce parapente. Survoler librement la forêt amazonienne, elle est super belle. C'est l'espèce de phoenix là, oh là 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 là, super beau, super beau. Et voilà, c'est tout. J'ai pas plus. Je n'ai pas plus. Du coup, je vais vous montrer rapidement, mais de façon très rapide, ce que ça donne aussi en skin féminin. Donc voilà, le skin CD Nova en féminin, les potos. Le skin féminin CD Nova. Donc on peut voir, voilà, les habits, tout ça. Avec le dernier pack aussi à 5 euros, avec la roqueuse. Voilà, la roqueuse. Super belle aussi en féminin, super belle. Je la trouvais pas belle, tu vois, dans le skin. Je pensais que c'était assez moche. Mais tu vois, vu comme ça rend sympa. À mon avis, il y a des choses que, ouais, tu peux peut-être tenter, tu vois. Tu peux peut-être tenter. Oh, pareil, ça, grosse référence à Zinx, il me semble, Zinx. Ou ouais, je sais plus. Le personnage de League of Legends. Très, très grosse référence. Très très grosse référence, comme le skin pirate hein, d'ailleurs le skin pirate qui est tiré du skin de son bras. Donc voilà, je sais même plus s'il est encore en achat là ou pas. Attendez, le skin pirate il est plus là je crois. Il me semble que non, il n'y a plus le pirate. Ou alors je sais plus où est-ce qu'il est. Bref, on va arrêter là. On va mettre dépôt, accessoires, c'est tout ce que j'ai. J'ai le petit nœud papillon, voilà, pour les féminins, tout ça. J'ai les lunettes du coup violettes, mais uniquement pour ça. Et encore, c'est juste, on dirait des lunettes de chantier, mec. On dirait des lunettes de chantier. C'est pas des lunettes de soleil, ça, c'est des lunettes de chantier, vraiment. Hein. Là, c'est Roger, 40 ans, maçon de métier, qui va faire une soudure, a des lunettes de protection et ça fait ça, tu vois, vraiment, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Après, bon, le maquillage, etc. Bon, vous avez globalement tout vu, on va pas se mentir. Vous avez même tout vu, voilà, vous avez tout vu. Voilà, et sur ce, j'espère que la vidéo n'a pas été trop chiante. Malheureusement, j'essaie de faire un petit peu comme je peux. J'essaie d'animer le plus possible. Après, c'est juste des skins que tu montres en mode waouh, là là. T'essaies d'argumenter derrière en mode ouais, j'ai obtenu ça comme ça, obtenu ça comme ci. Bref, tu peux pas trop trop faire de choses à côté. Bon, j'ai aussi les danses, hein, voilà, les petites danses, waouh. Bref, globalement, j'ai quasiment toutes les danses du jeu. Donc, bon, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Allez, sur ce, moi je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien et puis c'est tout. Et puis je pense que c'est la dernière vidéo du coup casier que je vais faire. Ou alors peut-être que je referai une, mais en 2010. Mais en mode waouh, t'as vu ce que j'ai obtenu depuis. Bref, voilà. Sur ce, ciao, bye bye, portez-vous bien et puis c'est tout. C'était Icar et on se retrouve dans de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Et ciao, allez, bisous. For the love, for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less.